Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller en poursuite l'aventure du jeu Resident Evil 4 Remake, chapitre 14, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Le médicament, attends. Tu peux te lever. Où est Louis? Il était inquiet pour toi. Jusqu'au bout. Allez, le temps presse. Il faut qu'on se débarrasse de ces trucs. Pour Louis. Pour Louis. Ada, réponds. Il y a un labo où on peut éliminer ces parasites. Et quelque chose me dit que tu sais où il est. Les installations les plus importantes sont dans leur sanctuaire au sommet de la montagne. C'est là que j'irai. Ada, les bons tuyaux. Ravi de t'aider. À charge de revanche. Nous enfermés sans prévenir. Ah, nous sommes conduits dans une pièce. D'à côté, je ne sais pas ce qui se passe. Ils viennent d'amener Annabelle, je suis sûrement le prochain. Il faut que je réfléchisse. Je dois garder la tête froide. Toutes les personnes infectées par le plague sont à la merci de Lord Sandler. S'il leur donne, ils traverseront jusqu'à la mort. Avec un sourire sur le visage. Le problème, c'est que l'autre devient si simple d'esprit qu'il ne peut pas être utilisé pour des tâches complexes. Cependant, nous sommes parvenus à développer une nouvelle espèce supérieure de plague. Celle-ci n'a pas de capacité de mutation particulière, mais elle présente l'avantage de ne pas diminuer les fonctions cognitives de son hôte. Apparemment, il prévoit l'injection de cette nouvelle espèce dans la fille, car il est important qu'elle conserve ses facultés intellectuelles après l'infection. Tous les tests ont réussi, devant même prévu de lancer la production de masse. Un succès total, mais on m'a affirmé. On m'a enfermé et on se prépare à l'injection d'espèces supérieures dans la salle à côté. Annabelle n'est plus elle-même. Son sourire est complètement disparu. Elle, qui était pourtant si heureuse, écrire est la seule chose qui m'empêche de devenir fou, même si personne ne lira ceci jamais. C'est fini. Mais non, je suis juste chapitre 14 sur 16. Tu peux m'aider? Ouais, t'es où? Salut mon cher ami. Quel heure qui est chez vous, 7h30 du matin? Intérieur.
shit, j'ai oublié de prendre mon couteau de nouveau et là j'ai plus. Déjeuner. Si quelqu'un à un moment serait-il possible de réduire les médaillons bleus en poussière? Je sais que ça ne ramènerait pas le bon vieux temps, mais je ne peux pas les laisser passer ça. Ah, le vendeur est là. J'ai de nouveaux articles, bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes. Tu fais des réserves au cas où. C'est une sage décision, ça. Mais je sais que tu feras ton. Reviens quand tu veux, surtout. Et as-tu une place pour sauvegarder? Toujours une place pour sauvegarder d'habitude ici, près de lui, mais là, non. Ben, non, c'est fini. C'est terminé, lui, là. C'est ton jour de chance. Je t'ai concocté une nouvelle épreuve. Je suis sûr que tu vas l'adorer. Et ça, j'ai pas envie de m'amuser à tirer des fusées dessus, je déteste ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton portable? Ça a quelle utilité? Jette un œil, quelque chose va forcément te plaire. Ouais, mais moi, ce qui m'aurait plu, c'est que tu. J'avais un endroit pour sauvegarder, j'aurais pu changer quelque chose, mais là, c'est ça. C'est plus loin. Ah, j'aurais pu les tuer, eux autres, ça m'aurait donné le poids, mais il est trop tard. Cherchons un autre chemin. Oh, yes.
Nickel. Moi, j'ai aimé ça. Je les ai terminés, moi, toutes les Sherlock Holmes. Il va en sortir un nouveau bientôt, là. Moi, celui-là, tu dis Crime and Punishment. Je l'avais reçu gratuit dans le Xbox Gold. Il y a des balles en face, j'ai pas vu. Près d'ici. Là. J'entends le bruit par ici. Non, il est supposé avoir un là puis un là. Il y a deux affaires. Ah, y a-tu un là ou pas? Hey, là, je suis mêlé. Ok, là, c'est l'autre bord. Ok, mais j'en ai manqué un comme ça. Ah, il est supposé avoir un ici, mais il est peut-être au-dessus. Il est au-dessus, d'après moi. Il n'y a rien dans les airs. Il est où cette année? Je pense qu'il y a dessus. Oh, il est supposé être là. Là, exactement ce que je suis. Il peut pas être dans les airs. Ah, oh, tabarnak, oui, il est là. Ah, oh, calice. Il y a plusieurs des Sherlock Holmes dans le même principe, toute la gang. En tout cas, on parle principe de 1, là. C'est pas PC, ça peut être... Où ça va pas avec 4? Je suis pas trop connaissant de ça, par exemple. Moi, j'ai jamais été une tête. Quand j'étais jeune, mais... À un moment donné, j'ai laissé ça entre les mains des autres. J'ai pas de couteau pour me faire des fléchettes. Ah oui, fait qu'elle passe en arrière. T'es un fan de Resident Evil ou pas nécessairement?
Moi, j'étais très grand. Je trouve que c'est, quand j'étais jeune, c'est le jeu qui m'a fait le plus vibrer. Quand j'ai réalisé, quand j'avais 14 ans, j'ai joué à Resident Evil 1 pour la première fois sur la PlayStation 1. J'étais comme, waouh, Dieu existe. Pour moi, c'était incroyable d'avoir joué à un jeu comme ça. C'était, il y avait rien de plus beau. Heroic Fantasy, j'ai aucune idée c'est quoi. Qu'est-ce qu'il y a pas de dessus? Ben ouais, il y a un dessus, mais... Merde, trop de monde, c'est sorti de là. Ah, bardac, c'est n'importe quoi. Oh tabarnak, fait que je la lui debout. Putain de chienne. Un anil. Ah, oh, j'étais con. Fais-tu asseoir? Bon, là.
une aventure. Un chapitre à ça, ça prend une heure et demie. À peu près, c'est... des fois deux, dépendamment. Une fléchette à l'extérieur. Pas un jeu que tu joues, c'est sur PC, moi je le connais pas en tout. Ah ouais, à l'extérieur mais trop loin. Pas est là. Putain. Là, je préfère passer, c'est-tu? Bon, ce que j'ai pas vu. Rien, ça, tabarnak. Quel est le diamant que j'ai pas pogné? Je suis quand même curieux d'aller voir. Parce que là. J'ai oublié ça aussi. Okay.
y a dessus parce que. Je vais vérifier si bon 3. C'est celle-là qui craque. D'habitude, c'est d'autres choses, mais là, c'est ça qui craque. Il y a quelque chose là-dedans. Exactement. Bon. Mais c'est pas ça qui nous aidait à sortir du pétrin. Il y a quelque chose par ici. Ça s'ouvre pas. Et calice. Viens, charge-toi de ça. Ok. Ok. Il s'en va. Tu me parles nac. Ce qui a été un calice. Qu'elle met dans la marde de même. Ah, en plus, je suis obligé de commencer cette partie-là au complet. Je suis même au tabarouette. Thank you.
Non. Garde gagné, je le souhaite pendant que je commence à nier ma passion. Ça tombait là. Je l'ai pas eu. Viens, charge-toi de ça. Attends. Ok. J'ai dû faire gaffe. Ah, j'ai oublié tout ce qu'il y avait en haut, j'ai oublié. Laissez-le contre
Ah, yes, c'est quoi ce tir là? Fuck. Ça a dû être deux balles, c'est pas quatre, sti. Ah bah, non, c'était laid. Tout va bien? Ah, ouais, t'inquiète. J'aurais vu mieux, là, si. Quand tu sur ce stage-là, il me semble qu'il reste au moins une heure encore, je suis sûr. Donc, je suppose ça arrive. Reste à distance. Ah, bonjour l'odeur. Tiens, cool. Il va au même moment, d'accord? 1, 2, 3, go. Bon, on y va au même moment. Ok. Oh, les losers que je suis. C'est affreux, en tout cas. Et voilà, franchement. Putain de merde, tu vas crever, ouais. Voilà, terre.
Putain, ouais, putain. Stick, vraiment un amour, toi. Tout a été 3 en 3, mais catastrophique tout d'un coup. T'es pas blessé, j'espère. Non, je vais bien. T'es blessé, Chris. Maximum tué. Ça peut être beaucoup mieux. On va aller pour une perfect shot, puis d'un coup, surprise, y'a rien qui va. Ashley. Ok. C'est pas grave, on reste. Il m'en reste pour une heure facilement. Pas de courant. Tu t'en occupes ? Ah, fallait que j'ouvrais ça, puis je m'en allais là. Je recommence, je l'ai fucké.
Putain. Exactement. Calice. J'espère que c'est pas trop loin. Et c'est à côté. Merci.
Mais qu'est-ce qui marche pas? Ah. Tu réussis là, oui. Déjà assez. M'aider à aménager, s'occuper des terres de mode pour toutes. Ah, des rats. Là, je t'ai pas vu, toi. Hey, je savais que je pouvais compter sur toi. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Ça peut être mieux. Je te souhaite bonne chance. Reviens quand tu veux, sur Bienvenue. Oh, 141 000, wow. Est-ce que ce sera tout? Elle va pas te faire tuer, hein? Ah. J'ai dû voir un boss ici. Léon! Regarde. C'est l'ascenseur? Si on pouvait détruire ce mur.
de démolition. Ah oui. Laisse-moi faire. Attends. T'es sérieuse ? C'est ça qu'on vous apprend à la fac maintenant ? T'es pas au courant des dernières réformes ? Écarte-toi ! Bonne nuit, mon cher ami. Yeah.
Ah, c'est correct que je meurs parce que j'ai mal commencé. Ok, Léon. Là, j'aurais dû me remplir, mais pas laisser.
jamais. Je crois que t'as trouvé ta vocation. Thank you.
ça. Non, encore pour un autre 45 minutes. Ça fait tu trois fois quand même. Déjà qu'on sorte vivant d'ici. C'est pas drôle. J'insiste sur le fait que vous deviez faire preuve d'une extrême prudence lors du transport des dépôts d'ambre provenant du sous-sol du château. Travaillez avec le plus grand respect et la plus grande obéissance. L'impératif que vous ne perturbez pas le sommet du corps sacré. C'est sûrement ça dont Louise parlait. Très cher Lord Sandler, j'ai l'immense plaisir de vous informer que la production de l'espèce supérieure des Plagas est officiellement en cours. Si tout se passe comme prévu, soyez certains que nous atteindrons notre but ultime. Le Plaga est un organisme absolument fantastique qui a la capacité de vivre sur un aimant, dans n'importe quel vertébré. Qu'il s'agisse d'un humain, d'un chien ou même d'un corbeau, ce parasite est unique et mortel. L'espèce supérieure est particulièrement impressionnante car elle peut s'intégrer dans son hôte, son sang, en endommageant le cerveau. Personne ne peut s'opposer à cette domination. Mais d'ailleurs, qui serait assez fou pour résister après avoir goûté à la joie absolue qui accompagne l'absence de libre arbitre? Je suis la preuve vivante. Autrefois, j'étais qu'un idiote. Dans quelques jours, j'aurai fini d'administrer le plague à tous les chercheurs de haut rang. Bientôt qu'ils sauront. Et lorsque nous serons accomplis notre plan, le monde entier saura. Annabelle Garcia Cuadro, chercheuse principale. Ceci est notre corps sacré, notre divine providence et bientôt une profonde bénédiction pour vous tous. Las Plagas. Bienvenue, mes enfants. Je suis Osmo Adler, le prophète de notre Dieu. Juste tout ça, ça me dégueulasse ce jeu-là. Pauvres imbéciles, pourquoi refusez-vous la grâce ?
Abandonne ton corps. Obéis. Obéis à la voix du Seigneur. Là-dessus, tu me tues. Hein. C'est loin de The Resident Evil. C'est pour ça que c'est le pire Resident Evil de la vie. Seigneur, pardonne à ces pécheurs. Mon fidèle disciple t'infligera ta pénitence. Mon enfant, tu n'as rien à craindre. Soumets ton corps et libère-toi de cette peur. Espèce d'enfoiré. De police. Vous l'aviez demandé, réaménagement des lieux bien engagés, des armes de autres équipements défensifs ont été installés pour empêcher les intrusions venus à l'extérieur. Lorsque nous aurons terminé, l'île sera une forteresse géante. Ces défenses ne tiendront pas sous le long terme, mais devraient suffire pour l'exécution de notre plan. Grâce à elles, nous serons plus proches que jamais de notre but final de domination du monde. Personne ne pourra résister à notre puissance. Jack Krauser.
La Saint-Javier a peu de gens entendu parler, même parmi les hautes sphères du gouvernement des États-Unis. Et bien évidemment, cette opération n'a jamais été rendue publique. Elle a été conduite en secret avant d'être enterrée. Pour quelle raison? Tout simplement qu'elle était trop inhumaine. Tout a commencé en 2002 lorsque la petite unité de force spéciale américaine a été envoyée pour infiltrer la zone d'Amérique du Sud. Leur mission était d'éradiquer les cartels de la drogue. Il a fallu plusieurs années pour préparer cette opération et seuls les soldats les plus mérités ont été sélectionnés pour y participer. Je ne sais pas si la mission a été un échec, mais je sais qu'il est arrivé à ces soldats d'élite. Une fois la mission terminée, apparemment l'unité tout entière a été anéantie à l'exception du commandant, le major, et pas par les cartels, mais par les États-Unis. Extraire une simple unité ne devrait pas être révélé de l'impossible. Une seule hélicoptère aurait suffi, mais pour une raison obscure, l'armée n'a rien fait. Aucun disent que cette décision résulte d'une lutte à un pouvoir au sein des autres gradés. Selon d'autres rumeurs, il s'agirait plutôt d'une ordre de l'ancien président des personnes. Malheureusement, l'affaire ayant étouffé, nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité. Mais je suis certain que d'une autre chose, le gouvernement américain a laissé ces gens mourir, de courageux jeunes gens qui ont donné leur vie pour protéger les leurs. Je veux dénoncer ce crime. Non. Pas parce que c'est ma responsabilité de journaliste, mais parce que c'est mon devoir. Sacré rhume. Parce que journaliste, mais parce que je m'en devoir en tant que citoyen américain. Excuse-moi. Concernant l'opération Javiez, qui a été écrite au nom de journaliste américain au nom de. Cet article ne sera jamais publié. Nous nous sommes occupés de. Je ne sais pas. Razin a quitté le campus avec la cible. Escorté la cible comme d'habitude jusqu'au début de la phase 2. Trois autres personnes devront être un véhicule, y compris Baker. Une table vous suivra au bord du véhicule, conduisant en empruntant votre route visuelle. Arrêtez le véhicule en prétextant un problème de moteur. Transférez la cible vers le véhicule d'Able. Une table changera de route, assommez et attachez la cible. Mettez la cible dans un grand conteneur. Une table qui fera diversion. Une table s'introduira dans la base de données des organismes dont charge. L'enquête désactivera le réseau. Attendez-vous au point K9 et chargez la sur le bateau. Bogey est flé en haut, c'est bien ça. Jette un œil, quelque chose va forcément te plaire. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rien de plus facile. Être méticuleux jusque dans les moindres détails. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le décidons. Ah.
pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme étrangère? Ça pourrait te sauver la vie, tu sais. En quoi? Reviens quand tu veux, surtout. Bienvenue. Comme tu voudras, étranger. Allez. Il m'a fait attendre. Le bleu. Ah, oh, tu t'inquiètes pour la fille, c'est ça. Ça te ressemble bien. T'as toujours manqué de discernement. Mais si tu crois que je vais te laisser sortir d'ici vivant, t'es encore plus naïf que je le pensais. Tu peux pas la sauver. Tu ne peux sauver personne. Laisse tomber, Krauser. Être le larbin de ces cinglés, ça ramènera pas tes hommes. Et tout ça pourquoi? Te venger du gouvernement? Tu crois que c'est ce qu'ils voudraient? Me venger? Parce que tu crois vraiment que je fais tout ça pour me venger? C'est l'impression que ça donne. Tu vois, dans cette jungle, j'ai eu une révélation. La chose la plus importante dans ce monde, c'est la plus pure. Et la plus absolue puissance. Les Illuminatos m'ont donné ça. T'as toujours été un connard. Mais au moins, t'avais quelques principes. T'avais de l'honneur. Regarde-toi maintenant. Arrête, tu vas me faire pleurer. Prépare-toi à te battre, soldat. Qu'est-ce qu'il y a? Sois sans pitié! Où est ton instinct? Tu es lent. Mieux te dépêcher. Qui sait ce qui est arrivé à la fille?
combat dans la jungle? On avait bien failli y rester. Suis ton instinct, ne pense pas. C'est la première chose que tu m'as apprise. L'endroit est truffé de pièges. J'ai pas l'avantage ici. Inconscient! Pas mal en tactique de guerre. Tu te souviens? Comment je pourrais oublier? Toujours vivant, hein? T'as de la chance. Jusqu'à présent, mérite d'être salué. Je serais mort depuis longtemps si j'avais écouté des mecs comme toi.
dirai quand je la verrai. T'es vraiment donné à fond pour moi. T'aurais pas dû. Allez, c'est où? T'as fini, Krauser ? Je te l'ai déjà dit et répété maintes fois. T'as pas le cran de faire ce qui est nécessaire. C'est la différence. Entre toi et moi, le bleu. Il est temps d'achever ton entraînement. Oh,
T'as complètement pété les plombs, Krauser. Ta vache puissance, à ta place, je me ferai rembourser. L'entraînement n'est pas fini. Ta dernière leçon commence maintenant. Non. C'est l'élève qui va corriger le maître. Oh, je te trouve bien confiant. Amène-toi!
Je l'ai même, c'est fou. Fais ce que tu as à faire. Ouais, je vais pas hésiter. Je t'ai bien formé. Léon. Ça, c'est sûr, Major. Ça, c'est sûr. Deux heures, on est sur ce parti-là. Il reste deux chapitres. Et voilà un autre chapitre de terminé. Et c'était tout pour Resident Evil 4 Remake. Chapitre 14, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!